Coucou mes petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc ce n'est pas un partenariat, c'est une toile que je me suis commandée moi. Je voulais tester une boutique. Alors cette boutique, je l'ai déjà testée, mais pas pour les toiles. Je l'ai testée puisque c'est la boutique dans laquelle j'ai acheté mes boîtes de rangement pour mes contenants à diamants. Donc les fameux tiroirs, donc c'est dans la boutique Art Dot. Et du coup, après quelques discussions avec leur service client, puisque j'avais eu des boîtes qui étaient arrivées cassées, qui m'ont remplacé, etc. Enfin, on a super bien discuté. Et puis, au bout d'un moment, donc, ils m'ont offert un petit bon d'achat pour s'excuser du désagrément au niveau des boîtes. Et du coup, je me suis dit, bah allez, on va tester leur toile. Donc, j'ai fait faire un personnalisé. Donc, c'est arrivé dans un papier plastique comme ça. Et à l'intérieur, donc, c'est dans une boîte. Hop. Alors, la boîte, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est une boîte en carton. Donc, un petit peu abîmée quand même. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc, c'est un personnalisé que j'ai fait faire. Je me suis fait un petit montage avec des choses que j'aimais bien. Hop, pour voir ce que ça donne. Donc, bien sûr, en diamant carré. Et c'est une grande toile car j'ai pris une taille 60 par 120 cm. Et je l'ai payé, donc après déduction, etc., je l'ai payé 34,45 €. Donc dans la boutique Art Dot. Hop, ah, donc sur leur toile, ben, c'est marqué Art Dot, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, hop, papier transparent. Donc la toile est encore... Ouh, je fais tout tomber. Donc la toile est encore dans un plastique pour protéger. Bon, elle est un petit peu pliée au bout, mais c'est pas grave. C'est sur le bord, donc ça touche pas l'image. Et j'ai 38 couleurs. Alors, donc à l'intérieur, on a les diamants. Alors déjà, on a le toolkit. Bon, c'est un toolkit de base, on a stylet, colle, barquette, par contre on a des sachets zip, et au bout du stylet, j'ai un multiplaceur de 3 diamants. Donc déjà, on a des sachets zip, ça c'est plutôt pas mal. Alors, dans le carton, il n'y a plus rien. Bon, c'est un petit bout de carton. Hop. Alors, on va essayer de sortir les diamants. Oh, bah, y a deux toolkits. Donc j'ai un deuxième toolkit avec toujours stylet, colle, barquette. Et au bout du stylet, cette fois-ci, j'ai encore un autre multiplaceur. Cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, ça doit être du 2, 4, 6. Oh, ça doit être du 8 diamants. Donc pas mal, deux toolkits. Ah, et ben les diamants sont tous dans des sachets zip. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pris du diamant carré. Alors, ce qui est dommage, bah, c'est qu'on n'a pas de feuille de route, par contre. Alors, je ne vais pas sortir tous les diamants parce que je vous avoue que je ne vais, pas la faire de suite. Donc, je vais quand même, je contrôlerai quand même. Donc, sur les sachets, vous avez donc le numéro DMC, vous avez le numéro, alors, non, ça n'a pas l'air, on n'a pas le numéro correspondant, ouais, bon, de toute façon, on a le numéro DMC, sur certains, c'est marqué 1 sur 8, je sais pas, c'est un peu bizarre, bon, j'ai beaucoup de 939, j'espère qu'il va être bien taillé. Donc de toute façon, bah, quand je la ferai, je vous ferai un retour sur la qualité des diamants. J'ai fait exprès, hein, j'ai pris du diamant carré, puisque bah, en général, quand je commande moi-même mes toiles et que ce n'est pas du partenariat,
et que en plus je veux tester la boutique, bah, je prends du carré parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Donc j'espère ne pas être déçue parce que c'est une grande toile quand même, 60 par 120. J'en ai quand même pour un moment, donc si jamais les diamants sont mal taillés, ben, je pense que je vais être un peu dégoûtée, quoi. Alors, en tout cas, elle colle très bien. Et j'ai l'image qui est justement ici, sur le côté. Donc, je vais vous la montrer. Hop, voilà, je me suis fait un montage sur le thème de la musique et tout en couleur. Donc une grosse clé de sol avec plein de petites notes de musique sur les bords et puis plein de couleurs. J'avais vraiment envie d'une toile sur la musique. Et du coup, moi, je me suis fait mon propre montage. Et elle m'a l'air vraiment super belle. En tout cas, les symboles sont vraiment très lisibles. Il n'y a pas de, souci là-dessus. Regardez. On les voit super bien. Donc, restera à voir comment sont taillés les diamants. Donc, c'est une toile basique. Hein, c'est pas de la toile comme vous pouvez avoir sur Evermoment ou Oraloa ou Diamond Art Club. Hein. Mais en tout cas, elle est très épaisse. Hein, donc, c'est quand même une toile de bonne qualité. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Eh bien, écoutez, génial. Donc, il ne me restera plus qu'à tester. Alors, par contre, je vous avoue que comme c'est une grande toile, ce n'est pas une toile que je ferai tout de suite. Je vais attendre de déménager d'abord. Et comme je déménage mi-novembre, je la ferai quand je serai bien installée dans mon bureau, puisque dans ma nouvelle maison, je vais avoir un bureau rien que pour moi. Et du coup, bah, je pourrai faire plusieurs toiles en même temps, puisqu'elles ne gêneront pas dans le salon comme actuellement. Mais du coup, je préfère attendre, parce que là, j'en ai pas mal en cours, et du coup, j'aimerais bien les terminer, avec en plus tous mes partenariats, j'aimerais bien les terminer avant de déménager, donc je vais pas rattaquer une grande toile de suite, mais en tout cas, bah, de toute façon, je vous ferai un retour, hein, peut-être plusieurs retours, hein, je commencerai à la faire, et puis je vous indiquerai ce que j'en pense au niveau des diamants. Donc, j'ai pas de 310, il me semble pas. Non, j'ai pas de 310. Par contre, voilà, j'ai beaucoup de 939. Donc ça va me permettre de pouvoir bien tester la qualité. Donc, à voir. Mais en tout cas, bah, je suis très contente de l'avoir reçue et de pouvoir vous faire un petit retour sur cette boutique. Puisque pour le moment, moi, en tout cas, j'avais testé que leur boîte. Qui était arrivé pour... Il y avait deux boîtes de cassé, deux tiroirs de cassé, mais honnêtement, ça a été remplacé et sans aucun problème. Vraiment très bon dialogue avec le service après-vente, donc vraiment aucun souci sur cette boutique. Donc c'est pour ça, je voulais leur donner leur chance aussi au niveau des toiles. Donc c'est chose faite, je l'ai reçue et il me tarde quand même d'avoir déménagé et de pouvoir la commencer. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous, mes petits cœurs.